m'appelle Pierre Baladejo, je suis médecin anesthésiste réanimateur. Je suis professeur des universités et praticien hospitalier au CHU de Grenoble. Le thème de la formation de ce soir concerne les compétences non techniques. Alors, les compétences non techniques, contrairement aux compétences techniques, sont toutes les valeurs et qualités qu'on doit avoir pour mettre en musique en fait, nos soins. Ça concerne la communication, le travail d'équipe, la conscience de la situation et toutes ces notions qui ne sont pas enseignées habituellement en formation initiale, sauf dans le cadre de la communication avec les patients, qui a une grande importance sur la qualité des soins et la sécurité des soins quand on travaille en équipe sur des soins complexes. Je pense que c'est important d'en discuter entre professionnels. Donc le fait de le faire sur un plateau nous permet d'avoir des notions. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une première introduction à la problématique des compétences non techniques pour expliquer la sinistralité, pour aller vers des formations un tout petit peu plus complexes qui touchent en particulier la notion de simulation. Essayer de simuler des situations où justement les compétences non techniques ne sont pas correctement adaptées à la situation et qui peuvent expliquer des erreurs ou des soins qui qualitativement sont moins bons. Une formation branchée sur les anticoagulants antiplaquettaires. Sinon, tout un programme de formation en compétences non techniques qui est prévu pour les années, pour les mois qui suivent et pour les années qui suivent. Donc, je vous donne rendez-vous tous les jeudis soirs à 19h30 sur Branché TV.